Salut tout le monde. Alors la semaine dernière, on a vu la partie automatisation du projet et cette semaine, comme promis, on va se retrouver avec Philippe pour la partie réalisation. Je vais de nouveau pas vous en dire plus, je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. On y va ? Salut Philippe. Ah, salut Gaëtan. Comment tu vas ? Moi ça va et toi ? Écoute, super, je suis content d'être là. Alors c'est toi l'électromécanicien ici ? Oui. Et écoute, alors tu veux bien m'expliquer en quoi ça consiste le job d'électromécanicien ? Bah, mon job consiste à câbler une armoire électrique en utilisant le maximum de produits SEV. D'accord, et tu es en train de faire quoi en ce moment ? Bah, en ce moment, j'ai eu des modifications de Michael pour modifier une partie du robot. Ok. Tu me montres ? Oui, je vais te montrer. Super. Là, on me demande de rajouter ce capteur sur le bras robot. Après avoir édité les repères qui sont sur le schéma, je vais monter la pièce sur le robot. D'accord. Et tu m'emmènes voir comment on fait ? Oui, allons-y. Super. Je te suis. Nous voilà devant le robot. Ma mission, elle est de rajouter ce capteur pour faire la présence ou pas du stator. Mais cela va me prendre un certain temps. Donc je te propose d'aller chez Raphaël pour voir la suite du projet. Ok, bah écoute, je vais faire ça. Merci beaucoup pour ta présentation. Allez, salut. Allez. Philippe. Salut. Ça y est, j'ai pu vraiment découvrir un projet PPI de A à Z. C'était passionnant. Je te remercie vraiment de m'avoir laissé l'opportunité de découvrir tout ça. Bah, c'est avec plaisir. D'ailleurs, le projet arrive à la fin. Donc pour notre côté, on va bientôt le livrer en production. Donc j'espère pouvoir te revoir dans le cadre d'un autre projet. Avec grand plaisir. Merci encore. À bientôt. Bonne continuation. Et voilà le travail. Merci à tous d'avoir suivi avec nous cette présentation vidéo du service PPI. J'espère que ça vous aura captivé autant que moi. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.